לשיחות, לעודד את הצעירים, לכתוב על המפגינים, על מה שקורה בעולם הערבי ולא להסתבך עם המשטר באלג'יר. Moi, j'ai écrit un livre en 2003, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Post-restant Alger ». C'est le titre, et en sous-titre, « Lettre de colère et d'espoir à mes compatriotes ». Et je leur ai dit dans ce petite lettre, donc, qui fait 50 ou 60 pages, qui a beaucoup énervé le gouvernement, parce que ce livre a été interdit, et moi, j'ai été officiellement déclaré traître à la nation, personnel non grata. Dans ce livre, je leur dis, arrêtez de pleurer. Je dis, on est malheureux, il faut se battre. Voilà. Se battre contre le dictateur, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Parce que bon, le dictateur, on chasse un dictateur, on met un autre. Donc il faut se battre à ce qui réellement enchaîne l'être humain. Donc je leur ai dit, d'accord, il faut dénoncer le dictateur, mais aussi dénoncer ce que dans le discours du dictateur vous a enfermé. Quand on vous parle à longueur d'année de la religion, de nous sommes des arabes, nous sommes des musulmans, nous sommes des ceci, nous sommes cela. C'est avec ça qu'il nous a mis des chaînes dans les pieds. Donc il faut sortir de là. Le dictateur ensuite, donc, tout seul, quand je dis au dictateur, je ne crois pas à ce que tu me dis, et bien, il tombe tout seul, je n'ai même pas besoin de le tuer, puisque son discours ne marche pas. Voilà, donc ce livre a été interdit, mais peut-être qu'il a été écouté ailleurs, en Tunisie, peut-être, je ne sais pas, mais là c'est difficile de savoir comment les livres marchent, comment les idées vont d'une société à l'autre, enfin, on sait. אני רוצה לחזור לנושא המקורי.